Bonjour, nous sommes en 2017 dans une série de vidéos qui vise à raconter la vie des saints. Et je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Suzanne. Sainte Suzanne n'est pas une sainte de l'Église catholique. Elle a vécu bien avant, dans le peuple juif, à une époque où le peuple juif était déporté à Babylone. Suzanne était une très jeune fille, magnifique, mais magnifique non seulement extérieurement, mais surtout intérieurement. Ça veut dire que sa piété, son amour de Dieu, son amour pour le prochain était vraiment rayonnant et connu de toute la communauté juive de Babylone. Suzanne faisait la joie de son mari. Elle était mariée et son mari était très riche. Il avait d'ailleurs une maison immense avec un parc. Et ce parc était ombragé par des arbres magnifiques. Il y avait aussi une pièce d'eau dans laquelle Suzanne, parfois, lorsque les visiteurs quittaient la maison, parce que cette maison et son parc étaient si magnifiques, que son mari le mettait à disposition des gens de la ville qui pouvaient s'y promener dans la journée et s'abriter à la fraîcheur de l'ombre des arbres. Et quand les gens étaient partis, eh bien, il lui arrivait d'aller vers la pièce d'eau et là de s'y baigner. Or, il s'avère qu'à cette époque-là, la communauté juive qui avait été déportée à Babylone avait reçu l'autorisation d'avoir sa propre justice, ses propres lois. Elle vivait selon ses mœurs. Et il y avait deux juges qui venaient souvent à la maison du mari de Suzanne pour juger des affaires. Ces juges n'étaient pas honnêtes, c'étaient des juges pervers. Or, ils avaient bien remarqué, tous les deux, la beauté de Suzanne. Si bien que, sans du tout s'être mis d'accord, mais, je dirais, par une idée commune due à leur convoitise, voici qu'il arrivait que très souvent, ils se cachaient dans le jardin, discrètement, pour essayer de surprendre Suzanne alors qu'elle se baignait dans la pièce d'eau. Et comme ça, ils se rinçaient l'œil. C'était évidemment un de leurs crimes abominables qui ne cachait, qui n'était que le sommet de l'iceberg de bien d'autres iniquités qu'ils commettaient. Un jour, alors qu'ils avaient jugé, et sans doute de manière inique, eh bien, ils se dirent au revoir l'un à l'autre. Et ils partirent chacun vers leur maison. Et puis, chacun, ils revinrent sur leurs pas afin de se cacher dans le jardin. Et voici qu'ils se rencontrèrent. Et là, ils furent bien obligés de s'avouer ce qu'ils faisaient. Et d'avouer qu'en fait, ils revenaient dans le jardin afin d'assouvir leur propre convoitise. Si bien qu'ils se mirent d'accord pour observer eux-mêmes, à deux, Suzanne en train de se baigner. Un jour, alors qu'il faisait particulièrement chaud, Suzanne renvoya sa servante afin qu'elle aille dans la maison pour ramener un objet. Et elle se baignait seule. Alors les deux vieillards qui étaient là se mirent d'accord et s'approchèrent de Suzanne. Et ils la menacèrent en disant « Couche avec nous, maintenant ! Sinon, nous crions et nous disons que nous t'avons surpris avec un jeune homme en train de commettre un adultère et que c'est pour ça que tu as renvoyé ta servante. » Mais Suzanne, qui était parfaitement droite et parfaitement honnête, se sentant complètement piégée, ne savait comment réagir. Et elle se disait « Jamais, jamais je ne tromperai mon mari, jamais je ne ferai une telle iniquité. » Si bien que, étant prise un petit peu comme l'oiseau dans les filets de ces gens-là, elle se dit « Eh bien, je mourrai plutôt. » Et elle se mit à crier et à appeler. Si bien que les gens de la maison se précipitèrent, et ils la trouvèrent, comme ça, en présence des deux vieillards. Les deux vieillards, à ce moment-là, se mirent à dire, d'un commun accord, « Nous avons surpris cette femme. Elle était avec un jeune homme. Elle s'apprêtait à coucher avec, et elle avait renvoyé sa servante pour le faire. Et nous, alors que nous nous promenions dans le jardin, nous avons surpris cette scène abominable. Et alors, nous avons appelé pour que on vienne... arrêtez cette chose-là. » À ce récit, les gens de la maison étaient stupéfaits, mais pas stupéfaits comme on le croit. Ils ne doutaient pas une seule seconde de la vertu de Suzanne, mais stupéfaits par le piège où elle était maintenant. En effet, selon la loi de Moïse, lorsque deux témoins témoignent d'un adultère, eh bien, la personne qui a été surprise en flagrant délit d'adultère doit être portée en dehors de la ville pour y être lapidée. C'est la loi, et c'est ainsi. Or là, ce n'était pas n'importe quel témoin, c'était des juges. Et tout le monde savait bien, dans le peuple d'Israël, que ces juges étaient iniques. Mais comment le faire? Comment le dire? Ils étaient en place de juges. Et Suzanne était plongée dans la détresse, et elle pleurait, et elle pleurait. Elle, qui était si heureuse avec sa famille, d'un coup, était plongée dans le malheur, et la mort allait se précipiter sur elle, et rien ne pourrait l'arrêter. Et eux, effectivement, les vieillards disaient, avec leur arrogance, « Nous exigeons que la peine la plus sévère soit appliquée à cette femme. Ce n'est pas possible qu'on tolère en Israël l'adultère ainsi, alors qu'on lui faisait confiance. »
Le mari de Suzanne, lui aussi, était en larmes et personne ne savait quoi faire. Si bien que, au bout de quelques jours, eh bien, on la porta pour qu'elle subisse sa peine, malheureusement. Et donc on la porta à travers la ville, pour la porter en dehors de la ville. Et les gens étaient là qui accompagnaient son chemin de croix. Et personne n'osait réagir devant une telle iniquité. Mais voici que soudain, l'Esprit de Dieu tomba sur un jeune homme, un adolescent, appelé Daniel. Et ce jeune homme monta sur une borne et se mit à crier d'une voix forte. « Je suis innocent du sang de cette femme. Je suis innocent du sang de cette femme. » Et les gens entendirent ce jeune homme et dirent « Mais quelle est cette parole qui tombe ainsi? Est-ce que par hasard ce ne serait pas une parole de Dieu ?» Donc ils arrêtèrent le cortège qui portait Suzanne et décidèrent de retourner à la maison de son mari. Alors ils interrogèrent le jeune homme. Et le jeune homme se mit à leur dire « Comment pouvez-vous, comme cela, condamner une enfant d'Israël? Comment n'avez-vous pas vérifié un peu plus les témoignages de ceux qui l'accusent ?» Alors les gens lui dirent « Mais comment pouvons-nous vérifier les témoignages ?» Alors Daniel leur dit « C'est très simple, je vais vous montrer. » Et il fit séparer les deux vieillards, un dans une chambre et l'autre dans l'autre chambre. Et puis, devant toute l'assemblée du peuple, il fit appeler le premier vieillard et lui demanda « Alors donc, tu as surpris Suzanne en train de commettre l'adultère. Et c'était sous quel arbre ?» Et le vieillard, imbu de sa personne, dit « Mais comment peut-on mettre en doute ma parole? C'était sous cet arbre-là. » Et il désigna un sycomore. Et Daniel lui posa toute autre sorte de questions sur des détails précis. Puis on le fit de nouveau repartir. Alors le deuxième vieillard fut appelé et on lui posa les mêmes questions. « Alors donc, tu as constaté l'adultère avec ton compagnon. Sous quel arbre c'était ?» Et lui, plein de son arrogance, désigna un arbre et il désigna un chêne. « C'était sous cet arbre-là, j'en suis sûr. C'était là que ça se passait. » Ils préparaient d'ailleurs leur couche pour commettre l'adultère ensemble. Si bien que le peuple qu'entendait la voix de Daniel et de sa sagesse n'en revenait pas. Et c'était tellement évident que ces vieillards mentaient. Et le bruit se répandit d'étape en étape dans tout le peuple. Et il y eut une grande joie dans tout le peuple. Parce que, enfin, par l'action de ce jeune homme, ces juges iniques avaient été repérés. Et c'est ainsi que Suzanne fut délivrée de la mort. Et on appliqua aux juges iniques la peine qu'ils avaient convoitée d'appliquer à Suzanne. Il faut ajouter ceci pour bien comprendre comment le peuple d'Israël évolua peu à peu. Cette loi de Moïse, qui faisait dépendre tout de deux témoins, était une loi de l'époque de la barbarie, donnée à une époque où le peuple était premier. Et ce peuple avait été durement éprouvé et affiné par des épreuves. Si bien que, sous l'influence des prophètes, et en particulier du prophète Daniel, qui était jeune homme à cette époque-là, eh bien, la loi de Moïse fut affinée. Et on commença à faire des enquêtes, ce qu'on appelle des inquisitions, pour vérifier si les témoignages étaient valables. C'est ainsi que la loi juive, loin d'être figée à une époque, était une loi évolutive. Et au fur et à mesure que le peuple s'affinait, mûrissait, eh bien, la loi juive s'affinait. Si bien qu'aujourd'hui, en Israël, la loi juive est une loi moderne. Évidemment, personne n'applique plus les premiers commandements que Moïse avait écrits à l'époque où le peuple commençait son histoire. Quant à Suzanne, elle vécut toute sa vie avec son mari, elle eut des enfants. Et puis, lorsqu'elle fut rassasiée de cette vie sur cette terre, Dieu vint la chercher et l'emporta dans son paradis, où maintenant elle intercède particulièrement pour ceux qui sont victimes d'injustice dans les procès. Et quand on prie Sainte Suzanne, on est très souvent exaucé. La justice est de nouveau faite.